Good morgen, Aleid, et tu sois aujourd'hui le Lunishmat François Fragi Ben Chana. Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Nahre, Ben Mazal Tov, Lucien, Batrina, Claude, Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah consacrée à 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Gitin, Perek, Tet, Mishnah, Vav, Shnei Gitin, Shektavan, Ze, Betzad, Ze, ou Shnei Edim, Ivrim, Bay, Mitachad, Ze, Letachad, Ze, ou Shnei Edim, Yevanim, Bay, Mitachad, Ze, Letachad, Ze. Et chez Aedim Harishonim Nikraim Imo Kacher. Edechad Ivri, Vedechad Yevani, Vedechad Ivri, Vedechad Yevani. Baen mitachadze, letachadze, Shneen Psulin. Dans toutes ces Mishnah, là, on va s'intéresser, on a déjà, que ça fait déjà maintenant 2-3 Mishnah en arrière, on continue sur le sujet de la manière d'écrire le guet, de signer le guet, essentiellement les signatures. Avec, à présent, on a, et la matière, avec des signatures par rapport à deux guettes écrites de manière originale. Je m'explique. On a Shnei Gitin, on a deux guettes. Il y a Reuven ben Yaakov qui divorce Rachel bat Lavan, et Shimon ben Yitzhak qui divorce Léa bat Betuel. D'accord? Ils les ont écrits sur un même papier. On va prendre ce papier. Donc, maintenant... On a ici un get qui est écrit, où il est écrit que c'est Reuven ben Shimon, tout le contenu du get. Et on a sur le deuxième papier, on a à présent tout le get qui est écrit de Shimon, qui divorce sa femme Léa. Ok? Maintenant, pour les témoins, ça devient compliqué. On a, Ushne Edim Ivrim by Mitachadze Letachadze, on a deux témoins, Ivrim, hébreu, on parle que de juifs, mais il y en a qui signent en hébreu, et il y en a qui signent en grec, que ça peut faire, parce que l'hébreu, c'est comme l'arabe. Ça se lit de la droite vers la gauche, comme dans Rabbi Jacob. D'accord? La différence, c'est que l'hébreu, c'est de droite vers la gauche, tandis que chez les grecs, c'est comme le français, comme toutes les langues européennes, de la gauche vers la droite. Donc maintenant, regarde, on a ici le guet de Reuven, et on a ici le guet de Shimon, et on a des témoins hein, qu'ils avaient des super noms bien, bien longs, de quoi remplir toute une ligne. On a le premier témoin qui écrit en hébreu de la droite vers la gauche jusqu'au bout. Deuxième témoin, comme ça. Et troisième témoin qui écrit en grec, de la gauche vers la droite. Quatrième témoin, de la gauche vers la droite. Qu'est-ce que ça peut faire? Franchement. Alors la problématique, je vais d'abord vous l'expliquer en 30 secondes, c'est très simple. Le témoignage qui a été signé, on avait déjà dit... Avoir un papier avec des témoins qui n'ont pas de rapport sur le papier, qui n'attestent pas ce qui a été écrit, il faut nécessairement un témoin qui atteste ce qui a été écrit. C'est ce qu'on va d'ailleurs parler dans la prochaine Mishnayot, avec des situations originales. Ils ne peuvent pas signer en haut, ils ne peuvent pas signer en bas. Il faut signer. Après, tu m'écris tout le texte qu'il faut, et tu signes en dessous. Qu'est-ce qu'on, à partir de quand on considère que ça y est, là, tu as signé sur ça? Là, regarde, on a dit qu'on a des témoins qui démarrent à partir d'un sujet, mais ils ont des noms tellement lignes, tellement longs, ouais... Naphtali, Tzvi, Yehuda, Ben, Avraham, Mitzrak, Aaron, Kohen, il a fait une ligne comme ça, une ligne entière. Ed. À la fin, on a besoin de rajouter le mot Ed. Et donc, il démarre ici, il finit là. La question, elle est, le témoignage, donc, il se rapporte sur le guet d'ici ou sur le guet d'ici? Sur les deux, il n'en est pas question. Parce que, il avait pas, sinon, il aurait signé deux fois. C'est sûr que le témoignage, il se rapporte, alors, d'accord, il se rapporte sur une seule chose. Et concrètement, c'est la fin de la signature qui se rapporte sur quoi ça a été signé. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que c'est une convention, ou si c'est parce qu'on rajoute le mot « aide » à la fin, ça revient en même, de toute façon. D'accord? C'est sur la fin que c'est signé. Alors maintenant, je reprends le cas. On a le guet de Reuven, le guet de Shimon, sur les deux volants, et on a une signature qui est très longue, qui se finit ici en hébreu, et une très longue qui se finit une deuxième en hébreu. Et après, on a deux signatures en grec, ou en français, très longs aussi. Jean-Pierre Marc Mardoche, fils de témoin. Et il signe témoin. Comme ça, et on a donc deux phrases comme ça. Alors regardez, en théorie d'abord, avant qu'on soulève un quelconque problème, le guet, il aurait dû être parfait. On a ici deux témoins qui ont signé en hébreu, ça se rapporte sur le volant de gauche. Et deux témoins qui ont signé en grec, ce sera pas sur le volant de droite. Et eux, ils font pas interruption, dans la mesure où il n'y avait pas de place pour signer ailleurs, on a bien compris, on n'avait pas d'autres papiers. Imaginez, c'est un guet qui a été écrit à Auschwitz, que deux bons maris
ont trouvé un chauffeur pour libérer au moins leurs femmes, aller savoir si eux, ils vont disparaître, et les femmes, elles vont être libres, qu'elles refassent leur vie à un moment, les pauvres. D'accord? Donc du coup, ils avaient un bout de papier, ils ont signé les deux, on a signé comme ça de la sorte, on a fixé deux témoins comme ça, deux témoins comme ça, on a deux témoins qui se rapportent ici, deux témoins qui se rapportent là. En théorie, le gars, il aurait dû être super. Il n'y a aucun problème, on a ici deux témoins qui marchent pour lui et deux témoins qui marchent pour lui. Malgré tout, ça ne va pas marcher. Pour quel problème? Alors là, on va le découvrir tout de suite. D'abord, on lit le cas. Shnegitin, on a deux guettes. Shektavan Zebetzazé qui ont été écrits l'un à côté de l'autre, côte à côte. Ou Shnegitin, Baimitachazé, Letachazé. On a deux témoins hébreux, qui écrivent en hébreu, qui signent de l'un jusqu'à l'autre. Ou Shnegitin, Yevanim, Baimitachazé, Letachazé. On a aussi deux témoins grecs, ou français, ou européens, qui les signent de la gauche vers la droite. Eh bien, la Mishnah elle me dit comme ça. Et she'aedim harishonim nikrein imo kasher. Le get il sera kasher que avec les deux témoins d'en haut et pas avec les deux témoins d'en bas. Ça veut dire, si on a les Grecs qui ont signé en haut, donc ce sera le get. Donc ils ont signé. Les get, c'est les deux premiers, les deux Grecs, c'est les deux qui ont premier signé en haut. Ce sera le get de droite qui sera de gauche qui sera validé. Si on a les deux hébreux qui ont signé d'abord, ce sera le guet de... Qu'est-ce que je regarde de gauche, de droite, ça dépend comment on regarde. Si on regarde comme ça, donc ça c'est la gauche, et ça c'est la droite, d'accord? Donc en fait, si on a les grecs qui ont signé comme ça, donc ce sera ce guet-là de gauche qui sera validé, et si on a les hébreux qui ont signé d'abord, ce sera le guet, mais par contre, les témoins d'en dessous, ils ne seront pas aptes à témoigner sur le guet qui est au-dessus, là où s'achève leur signature. Pour quelle raison? La raison est simple. Elle est simple, l'original... Mais elle est acceptable. C'est comme... vous avez déjà vu les livres phonétiques. Le livre traduit, imaginez, prenez un livre traduit, un livre de Tfila traduit en français. On va avoir un livre, un Chumash traduit en français. De Vaidaber, Hachem, El, Moshe, les morts. Et chaque mot, on a une traduction qui est juste en dessous. Donc, Vaidaber, et il a dit, Hachem, Dieu. Le El, Moshe, à Moshe, en ces termes. D'accord? Comme ça, on va dire. Mais lisez maintenant cette phrase indépendamment. Vous allez avoir tout. Il va y avoir écrit. En ces termes, Moshe, à Moshe, parler, Dieu. Ouais, normal. Parce que vous allez traduire naturellement. Si vous traduisez chaque mot dessus, quand après vous prenez avec une vue d'ensemble, vous voulez lire toute la phrase, vous allez avoir une phrase qui va être tout à l'envers. D'accord? Imaginez, on avait trois mots. Ani, Rotse, ta poire, je veux une pomme. Et chaque mot on le traduit, ça fait je. On écrit Ani, je. Rotse, veux. Ta poire, une pomme. Une pomme, veux, je. Si vous le lisez d'un coup, vous allez voir qu'il va avoir écrit une pomme, veux, je. D'accord? Au lieu de je, veux, une pomme. Parce que chaque mot a été traduit, vous avez pris tous les éléments, vous avez compris l'idée. Même principe quand on va avoir deux témoins hébreux qui vont signer avec en dessous et avec deux témoins en grec. On a le même problème qui va se poser. Quand on signe une signature, figurez-vous qu'on écrit le nom et le fils de son père. D'accord? C'est comme ça qu'on se qualifiait, avec à la fin un nom de famille peut-être, qu'on pouvait mettre à la fin, qu'on peut mettre au début. Maintenant, tu vas dire Reuven ben Yaakov. Et le deuxième, il va s'appeler Shimon ben Yitzhak. Maintenant, imaginez que vous allez un premier qui va signer en hébreu et l'autre qui va vouloir signer en français. On craint que celui qui va signer en français, au lieu d'écrire qui s'appelle, non, au lieu d'écrire Reuven ben Shimon, Reuven ben Yaakov et Shimon ben et Shimon fils de Yitzhak, on craint qu'à la place de chaque mot, là où il écrit Reuven, il va écrire Shimon et ben, il va écrire fils de et Yaakov, il va écrire Yitzhak. Et si on va le lire d'un coup? Alors, comment il a écrit? Il a écrit Yitzhak, fils de Shimon, donc il a dit que son père, c'est son fils. Ou bien c'est Shimon ben Yitzhak. Vous comprenez la problématique? Naturellement, quand il va vouloir écrire, on a un problème. Que quand on suppose, on n'est pas capable de certifier que cette signature d'en dessous, elle a été signée en bonne et due forme. Peut-être qu'il a signé son nom envers. C'est sûr que si jamais je signe le nom de mon père, qui est le fils de moi, ça marche pas, d'accord? Donc il faut savoir dans quel ordre j'écris. Si tu veux écrire à l'envers, tu peux aussi écrire à l'envers, mais en tout cas, qu'on sache que tu as écrit à l'envers. Donc du coup, on craint que quand il va écrire, naturellement, il va vouloir garder la symétrie avec la ligne du dessus.
Donc en fait, chaque fois qu'on va voir un grec sous un hébreu, ou un hébreu sous un grec, c'est le même principe, on craint que celui qui a signé en dessous, il n'a pas bien signé. Et donc du coup, on va avoir les deux duos qui sont le premier qui choisit une langue, le premier qui est en hébreu, le deuxième il continue, ça marche encore. Dès que tu passes au grec, c'est fini, le grec, on ne peut plus l'admettre. Tu commences par le grec, tu ne peux plus l'admettre. D'accord? Pour le moment, c'est clair. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, ça va être avec le même principe, avec une petite nuance. C'est que de toute façon, on ne va pas faire deux hébreux, deux grecs, ou deux grecs, deux hébreux. On va faire un hébreu, un grec. Et là, le problème, il commence depuis le début. Il y a tous les guettes qui vont être invalidés. Pour quelle raison? Parce que dès qu'il y a le premier qui a signé, en hébreu par exemple, il s'appelle Reuven ben Yaakov. Il arrive, l'autre, il va écrire Simon, fils de Yitzhak. Donc on sait pas ce qu'il a écrit, Simon, fils de Yitzhak, ou Yitzhak, fils de Simon. Ouais, on ne sait pas dans quel ordre il a voulu écrire. Donc sa signature est déjà invalidée. Après, on a un autre hébreu qui va venir, qui va dire Lévi ben Avraham. Maintenant, Lévi ben Avraham, il a gardé la même symétrie que la première ligne, l'hébreu, ou que le grec, ou le grec finalement il avait changé, donc tout est bon, c'est tout en bon guette. On ne sait pas comment il a écrit. Donc la signature elle est invalidée, on ne peut pas la valider. Ok? C'est ce que la Mishnah me dit maintenant. Edechad Ivri ve Edechad Yevani. Edechad Ivri ve Edechad Yevani. On a un hébreu, un grec, un témoin hébreu, un témoin grec, un témoin hébreu, un témoin grec. Tout ça c'est des juifs, bien sûr. Bain mitachat ze letachat ze. Ils viennent tous en ligne, un sous l'autre, un sous l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, Shneem souligne les deux guettes, les deux volants, les deux guettes qu'on écrit sur les deux volants de la feuille, en côte à côte, ils sont tous les deux invalidés parce qu'on a juste un seul témoin pour la première ligne du guette. Pour la première signature, on a un seul témoin, et les autres, on ne sait pas est-ce qu'ils ont témoigné justement ou pas. Peut-être qu'ils sont tous, ils ont tous signé à l'envers, peut-être que tout est à l'endroit, on n'est pas capable de certifier. Et du coup, on peut plus, un guette qui n'est pas capable des témoins qui sont, qu'on est sûr qu'ils sont bons, qu'ils ont bien signé comme il fallait, eh bien, c'est pas un bon guette. Si à la place de signer mon nom, je vais signer le nom de quelqu'un d'autre, vous imaginez bien que c'est pas un bon guette. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.